السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فضل الأخ سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، bienvenue à vous en ce 20 ربيع الثاني 1444 de l'Hégire, correspondant au 14 novembre 2022. Pour ce 13e cours du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, ouvrage de l'érudit, le noble savant Abdus-Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, expliqué par notre cheikh en live, ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidhahullahu ta'ala. Bismillah wa tawakkalna Allah azza wa jal. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر الآية 49. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، سورة الأحزاب الآية 38. La foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et vous savez que ça fait partie des piliers de la foi, des piliers de la foi. Et ce n'est pas facile de parler dans ce domaine, non, car c'est très complexe. Mais on va faire, inshallah ta'ala, de notre mieux, bi'inna azza wa jal. Elle consiste à croire véridique et à affirmer catégoriquement qu'Allah a prédestiné les parts des créatures, ainsi que ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allah a dit, selon une traduction du sens, « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Al-Qamar, verset 49. Et il a dit, selon une traduction du sens, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Al-Ahzab, verset 38. Donc la foi au destin consiste à croire véridique et à affirmer catégoriquement que Allah Azza wa Jal a prédestiné les parts des créatures. Tout ce qu'ils vont avoir, comme bien, comme manger, comme boire, comme... يعني respirer l'air, tout le risque, tout, il a été prédestiné. Et ça rentre aussi dans cela que tout ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. C'est impossible qu'Allah Ta'ala veuille une chose et qu'il y ait quelque chose qui interrompe cela et fasse de sorte que ce que veut Allah ne soit pas. C'est pas possible. Et le contraire est valable, c'est-à-dire ce qu'il ne veut pas n'est pas. C'est impossible que Allah Azza wa Jal ne veuille pas une chose et que cette chose ait lieu. Car si c'était comme ça, donc Allah Azza wa Jal, c'est pas lui qui commande, puisqu'il ne veut pas une chose et la chose a lieu. C'est pour ça que c'est impossible. Il a dit, nous avons créé toute chose avec mesure. Toute chose que Allah Azza wa Jal a créée, elle a été créée avec mesure. Et il a dit aussi, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Si Allah a voulu une chose, c'est impossible
d'arrêter son commandement Azza wa Jal. Naam. مراتب القدر مراتب القدر أربع العلم الكتابة المشيئة الخلق الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. Les degrés du destin. Les degrés du destin sont de quatre. La science, l'écriture, la volonté, la création. Le premier, la science. Nous croyons qu'Allah Ta'ala sait tout. Il sait ce qui a été, ce qui est et comment il est. Par sa science éternelle et immuable. Jamais il ne lui vient un savoir nouveau après l'avoir ignoré. Jamais l'oubli n'affecte sa science. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le destin, l'âme, a quatre degrés. Le destin, il faut bien comprendre cela. Ça aide, Inch'Allah, éclaircir beaucoup de choses. Le destin, l'âme, a des degrés. Ils sont de quatre. La première, la science. Ensuite, l'écriture, la volonté, la création. On va parler de la première, là, ou bien du premier degré, qui est la science. Nous croyons que l'âme sait tout. Rien ne lui échappe. Il sait tout, tout, vraiment tout. D'abord, il sait ce qui a été. Ce qui a été, hein, pas maintenant, ce qui a été dans le passé, il le sait avec tous les détails minutieux. Non? Il sait ce qui a été, ce qui est maintenant aussi, non? Et comment qu'il est. Non? Il sait aussi ce qui va avoir lieu, bien sûr, ce qui va avoir lieu. Non? Il sait même, j'ajoute une chose, il sait même ce qui n'a pas eu lieu. S'il a eu lieu, comment qu'il aurait été? Les choses n'ont pas eu lieu. Hein? Mais si ces choses ont eu lieu, hein, malgré qu'elles n'ont pas eu lieu, il sait comment qu'elles auraient été. Par sa science éternelle et immuable. Hein? بعلمه الأزلي الأزلي ça veut dire نعم يعني son علم qui n'a pas de début نعم ici à la place d'éternel نعم par sa science éternelle par sa science يعني qui n'a pas de début نعم بعلمه الأزلي الأبدي نعم et qui n'a pas de fin نعم. Jamais il ne lui vient un savoir nouveau après l'avoir ignoré. Nous, par exemple, les êtres humains, notre savoir se renouvelle à chaque fois. Donc, on ne connaît pas une chose, ensuite on l'apprend. On ne connaît pas cette information, ensuite son savoir se renouvelle chez nous. Allah Azza wa Jal, non. Jamais, si je puis dire, jamais il n'apprend quelque chose de nouveau. Non. Il sait tout. Parce qu'apprendre quelque chose de nouveau, ça suppose ignorer une chose, ensuite l'apprendre. Alors que l'âme n'ignore rien. Non. C'est pour ça que jamais il ne lui vient un savoir nouveau. Non. Et aussi, jamais l'oubli n'affecte sa science. Jamais l'oubli n'affecte la science de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'Azza wa Jal, jamais yani, il n'oublie une chose, jamais. Et le verset, il y a un verset où yani, ceux qui traduisent emploient le mot oubli. Liyoum an ansakum kama nasitum liqa yawmikum hada. Aujourd'hui, ansakum, l'nisyan, c'est l'oubli. Eux, ils traduisent aujourd'hui, je vous oublie comme vous avez oublié ce jour-là. Alors que ce n'est pas vrai. Ça veut dire, aujourd'hui, je vous délaisse, car nasiya. Le verbe « nasiya » a oublié, en arabe, c'est un verbe « mushtarak », ça veut dire qu'il a deux sens. Ou bien c'est « oublié » ou bien c'est « délaissé ». Mais dans le verset « liyoum an ansakum », ça veut dire « aujourd'hui, on vous délaisse ». Et ce n'est pas « on vous oublie ». Car il y a un autre verset qui dit « wa ma kana rabbuka nasiya ». Allah Azza wa Jal n'oublie yani jamais. Al-muhim, on continue, inshallah ta'ala. Al-thaniya, al-kitaba.
نؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. سورة الحج الآية 70. جزاك الله. Le deuxième, l'écriture. Nous croyons qu'Allah a écrit dans la tablette préservée tout ce qui existe et existera jusqu'au jour de la résurrection. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un livre, et cela pour Allah est bien facile. » Al-Hajj, verset 70. On va résumer un peu. Samir, on avait dit que les degrés, que le destin avait 4 degrés. Est-ce que tu peux nous citer quels sont les 4 degrés ? Le premier, c'est quoi ? Naam, Cheikh, la science. Naam, la science. La science, l'écriture. C'est la le deuxième. Le troisième, c'est quoi ? La volonté. Et le quatrième ? La création. La création. Donc, on a commencé par le premier degré, la science, pour que Allah Azzawajal prédestine ce qui va arriver à ses créatures, à ce qu'il va créer, Naam. Même les cieux, la terre, les personnes, les animaux, pour qu'il le prédestine, yani, ce qui va leur arriver, leur risque, etc. Qu'est-ce qu'il doit avoir là, la science? Je donne un exemple, c'est tout. Par exemple, un général. Un général, yani, il a des soldats, il va préparer yani, un assaut là. Il faut qu'il ait assez de science, yani, pour pouvoir yani, gérer cela. Ça c'est juste yani, un assaut. يعني quelques soldats comme ça. Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, Naam, qui va, يعني, il gère tout le monde avec ses mers, ses montagnes, ses cieux, ses êtres humains, ses Naam. Donc, c'est pour ça que le premier degré, c'est quoi ? C'est la science. Naam. Plus la science est grande et immense, plus يعني, le fait de gérer, يعني, et plus, disons, plus parfait. D'ailleurs, maintenant, la science, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal sait tout. Rien ne lui échappe et n'oublie pas. Le deuxième, c'est l'écriture. Allah Azza wa Jal sait tout. Il va prédestiner. Donc, deuxième degré, c'est quoi ? Il va écrire. Nous croyons que Allah Azza wa Jal a écrit dans la table préservée tout ce qui existe et existera jusqu'au jour de la résurrection. Donc, la table préservée, Allah Azza wa Jal a écrit tout sur cette tablette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant déjà la création des cieux et de la terre, Naam, avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah Ta'ala a tout écrit sur la table préservée, ou la tablette. Donc, je dis bien, avant la création des cieux et de la terre, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Naam, 50 000 ans avant de créer les cieux de la terre, il avait déjà écrit tout ce qui était prédestiné sur la tablette préservée. Il reste que quand on a dit, si nous croyons qu'Allah a écrit, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il a écrit avec sa main. Même s'il a écrit, par exemple, la Torah, il l'a écrite avec sa main. Mais ce qu'il y a sur la tablette préservée, il n'a pas écrit avec sa main. Mais comme dans le hadith authentique, il a dit à la plume, il a dit écrit. La plume a dit, qu'est-ce que j'ai écrit ? Il a dit, écrit, yani, tout ce qui sera prédestiné, yani, jusqu'à le jour de la résurrection. Naam. C'est pour ça qu'il a dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait, voilà, la science d'abord, ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre, ensuite l'écriture. Tout cela est dans un livre, c'est-à-dire écrit. Et cela pour Allah est bien facile. Et c'est la plume qui a écrit, bi'illah azza wa jal. Wa qala ta'ala, قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon. Moussa, Moïse, dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Taha, versets 51 et 52. Taïeb, maintenant on a cité ces deux versets pour dire que yani, c'est qu'il y a ce qu'on appelle écriture Naam. La preuve, il a dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre.
Si c'est dans un livre, c'est que ça a été écrit. Ça a été écrit. Allah Azzawajal a demandé à la plume d'écrire Bi'illah Azzawajal. Donc, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Car yani, Pharaon s'est étonné. Il a dit, qu'en est-il des générations anciennes? Naam. Moussa Aïssal lui a répondu, Naam, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Tout cela est dans un livre. Naam. Tout cela est sur, là, dans la tablette préservée Bi'illah Azzawajal. Naam. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سورة ياسين الآية 12. Il a dit تعالى, selon une traduction du sens, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Yassine, verset 12. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام. Regardez l'arabe. Imam, normalement, c'est l'imam, celui qui dirige la prière, alors que c'est un registre, un livre. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Naam. Et ce n'est pas l'imam qui guide la prière. Naam. ويدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سورة التوبة الآية 51. Entre dans cela, premièrement, entre dans cela. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Entre dans quoi? Entre dans l'écriture, le degré de l'écriture. Et entre dans l'écriture, et yani sur la tablette préservée, qu'est-ce qui est écrit entre autres? Tfadl. Premièrement, la prédestination antérieure à la création des cieux et de la terre. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. » At-Tawbah, verset 51. Donc nous sommes au deuxième degré. Il y a quatre degrés, la science, l'écriture, la volonté et la création. Nous sommes au deuxième degré d'écriture. Il a dit ici, entre dans l'écriture, dans cela, dans l'écriture, sur la tablette préservée. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit entre autres, yani, ce qui est prédestiné avant déjà la création des cieux et de la terre. Comme j'ai cité dans le hadith authentique, que l'Azawajallah a créé yani, le Maqadir, yani, ce qui est prédestiné, 50 000 ans. Avant la création des cieux et de la terre. Donc, bien avant de créer les cieux et de la terre, Allah Azzawajal a écrit, par le biais de la plume, il a demandé à la plume d'écrire, il a écrit yani, la prédestination. Naam. Et il a cité le verset ici. Naam. Wa kitabatul mithaq yawma an qal alastu bi rabbikum. Wa qala ta'ala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى سورة الأعراف الآية 72. Ahsan, rentre aussi. Deuxièmement, l'écriture du serment le jour où il a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si. Al-A'raf, verset 172. Donc, ça rentre aussi dans l'écriture, est-ce qu'Allah Azzawajal a écrit sur la tablette préservée, qu'il y a un, comme un pacte entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Allah Azzawajal, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Allah Ta'ala a fait témoigner yani, toute âme. Naam. Je parle des êtres humains, bien sûr, toute âme. Naam. Et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont répondu, si, vous êtes notre Seigneur. C'est pour cela que si Allah Azza wa Jal voulait, yani sans envoyer de messagers, de prophètes, et sans descendre de livres. Naam, s'il voulait, Yom al-Qiyama, il t'aurait dit, pourquoi tu ne m'as pas adoré, par exemple? Je vais t'envoyer en enfer, tu ne m'as pas adoré. Naam. Tu vas lui dire, mais Allah, comment je sais comment t'adorer? Tu n'as envoyé ni messager, ni quoi? Ni livres, ni tu as fait descendre des livres. Il t'aurait dit, mais j'ai bien pris ton témoignage et je t'ai fait témoigner
avant de te créer. Avant de te créer, Naam, tu avais fait témoigner et tu as dit que tu as témoigné que, yani, que je suis ton Seigneur. Quand quelqu'un témoigne que Allah est notre Seigneur, ça veut dire qu'il fallait m'adorer. Mais comme dans le hadith authentique, il n'y a pas quelqu'un qui aime Naam, l'excuse Naam, comme Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on ne peut pas établir la preuve sur Allah azza wa ta'ala. Car dans ce sens, tu peux lui dire, ya Allah, mais moi, j'étais une âme, Naam, comment yani, je peux me rappeler tout ça? D'ailleurs, je ne me rappelle même pas que yani, vous m'avez fait témoigner, que j'ai répondu que vous étiez mon Seigneur. C'est pour cela que, pour ne pas établir de preuves sur lui, et c'est impossible d'en établir, alors il a envoyé quoi? Il a envoyé les messagers, il fait descendre les livres. Comme ça, tu ne peux pas dire au Qiyama, ya Allah, moi je ne savais pas, aucun messager n'est venu, il n'y avait aucun livre, etc. Non. طيب, on continue, inshallah. Et le taqdir al-umri, عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Troisièmement, la prédestination au début de notre vie, lors de la création de la goutte de sperme dans la matrice. Un ange est envoyé pour insuffler l'âme dans le morceau de chair. On lui ordonne d'inscrire quatre mots: sa subsistance, son terme, son œuvre, et s'il sera malheureux ou bienheureux. Donc on a vu que on est en train de voir que ce qu'il y a écrit sur la tablette préservée, hein, on est à la troisième chose, c'est maintenant la prédestination, pas des cieux et de la terre et de ce monde, mais de nous-mêmes. Nous-mêmes, hein, ça s'appelle la prédestination de notre vie. Tout ce qu'on va faire dans notre vie. Ça, il a dit, ça se passe lors de la création de la goutte de sperme dans la matrice. Alors, un ange, Naam, au quatrième mois, comme vous savez, est envoyé pour insuffler l'âme dans le morceau de chair. Il y a déjà un morceau de chair. Après, elle est dans les quatre mois. Alors, on lui ordonne d'inscrire quatre mots. Son risque, son terme, quand est-ce qu'il va mourir? Son œuvre, ses œuvres, ce qu'il va faire, Naam, s'il sera malheureux ou bienheureux. Et s'il sera malheureux ou bienheureux. Donc tout cela, subhanallah al-adhim, ça rentre dans la prédestination de notre vie. Naam. Par rapport à toute notre vie, ce qui va se passer par détail, c'est écrit sur la tablette préservée. Bi-illah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ça c'est la troisième chose. Qui est écrite sur la tablette préservée. التقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. سورة الدخان الآية الرابعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج. يقال يحج فلان ويحج فلان. Quatrièmement, la prédestination annuelle lors de la nuit du destin. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Ad-Dukhan, verset 4. Ibn Abbas a dit, on inscrit à partir de l'écriture mère, la nuit du destin, tout ce qui surviendra durant l'année comme mort, vie, subsistance et pluie. Même les pèlerins sont inscrits. On dit, un tel accomplira le pèlerinage, un tel accomplira le pèlerinage. Subhanallah, Naam. Certains citent que lorsque l'Azul a demandé à Ibrahim alayhi salam, Adhin fil Hajj, lorsqu'il a dit Adhin fil Hajj, certains ont dit que Ibrahim, quand il a fait cet appel-là, ça veut dire que toute personne, Naam, qui est inscrite sur la tablette préservée, Naam, qu'elle fera le Hajj par exemple, Naam, elle entendra cet appel. Certains disent ça. Naam. Al-Muhim. Maintenant, la quatrième chose dans la prédestination qui est écrite sur la tablette préservée, c'est la prédestination annuelle, ce qui se passe chaque an. Vous vous souvenez, la troisième, c'était ce qui se passe dans toute notre vie. Maintenant, la quatrième, c'est ce qui se passe, Naam, seulement pendant l'année.
Or, ceci, c'est lors de la nuit du destin. Allah Ta'ala dit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Ibn Abbas a dit, on inscrit à partir des critères humains, la nuit du destin, on inscrit tout ce qui surviendra durant l'année, chaque année. Celui qui va mourir, celui qui va naître, le risque, la pluie, la neige qui tombe, le vent, tout cela, c'est écrit pendant, ce qui va se passer pendant une année. Même les pèlerins seront inscrits. On va dire, un tel accomplira le pèlerinage, par exemple, cette année, un tel accomplira la Umrah, un tel fera un accident, et comme ça, pendant l'année, ce qui va se passer, et ça, c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. والتقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن سورة الرحمن الآية 29 فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو علم الله عز وجل وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل فانتهت الأوائل إلى أزليته وانتهت الأواخر إلى آخريته وأن إلى ربك المنتهى سورة النجم الآية 42 La prédestination quotidienne. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Ar-Rahman, verset 29. Allah. La prédestination quotidienne est un détail issu de la prédestination annuelle, laquelle est un détail issu de la prédestination de la vie au moment de la création de la goutte de sperme éjaculée. Et la prédestination de la vie est un détail issu de la première prédestination, celle du jour du serment, qui est elle-même un détail de la prédestination antérieure écrite par la plume dans un registre explicite. Le registre explicite est issu de la science d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, les parts finales reviennent, à leur fin, à la science d'Allah Azza wa Jal. Les débuts reviennent à son antériorité absolue et les fins aboutissent à son éternité. Et que tout aboutit, en vérité, vers ton Seigneur. Najm, verset 42. La cinquième chose qui est inscrite par rapport à la prédestination sur la tablette préservée, c'est la prédestination quotidienne. On avait vu, si vous vous rappelez, qu'il y avait d'abord la prédestination antérieure, avant de créer les cieux, de créer la terre. 50 000 ans avant cela, Allah a tout écrit, la prédestination antérieure. Ensuite, on a vu que après cela, il y avait quoi ? Il y avait la prédestination du jour du serment. Du jour du serment. Où Allah Ta'ala nous avait témoigné que c'était lui le Seigneur et qu'on avait accepté cela. Et que après cela, la prédestination du début de notre vie. Allah Azza wa Jalla envoie un ange dans la matrice. Et après cela, qu'il y avait la prédestination de toute notre vie. Et après cela, il y a la prédestination d'une année. C'est Laylat al-Qadr, où c'est écrit tout ce qui va se passer dans cette année. Cinquièmement, aujourd'hui, maintenant, on va voir la prédestination quotidienne. C'est écrit aussi ce qui se passe chaque jour. C'est écrit sur la tablette préservée ce qui se passe chaque jour. C'est pour ça qu'il a dit ici, la prédestination quotidienne est un détail issu de quoi ? Qui vient de la prédestination annuelle. C'est dans la prédestination annuelle qu'il y a ce qui se passe chaque jour. Et la prédestination annuelle elle-même est un détail issu qui vient de la prédestination de toute notre vie. Notre vie, c'est des années. Au moment de la création, et ce qui se passe dans la prédestination de la vie, il a dit au moment de la création de la goutte du sperme éjaculé. Et la prédestination de la vie elle-même, c'est un détail issu qui vient de quoi ? De la première prédestination, celle du jour du serment, qui est elle-même, celle du jour du serment, qui est elle-même un détail de la prédestination antérieure.
avant que Allah Azza wa Jal n'ait ordonné à la plume d'écrire. D'écrire dans un registre explicite. Naam. Ensuite, il veut dire que tout est issu de la science d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, les parfums reviennent à leur fin à la science d'Allah Azza wa Jal. Et les débuts reviennent à son antériorité absolue. Tout cela, naam, ça rentre dans la science d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Tout aboutit vers ton Seigneur. Donc, ceux qui ont dit qu'il y a d'abord, pour résumer, il y a une prédestination antérieure avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans avant, la terre avait tout prédestiné. Ensuite, il y a une la prédestination que quand il a fait témoigner toutes les âmes, le jour du serment. Ensuite, la prédestination de quand Allah Azza wa Jal envoie l'ange le quatrième mois. Ensuite, la prédestination de tout ce qui se passe pendant une année. Ça, c'est dans l'Ilat al-Qadr. Et ensuite, la prédestination quotidienne de tout ce qui se passe chaque jour. Tout ce qui se passe. Certains ont ajouté la prédestination hebdomadaire. Et ils ont cité le hadith que quand quelqu'un va prier Jumu'ah, il y a un ange ou des anges devant la mosquée qui écrivent quoi ? Écrivent yani, à quelle heure la personne est arrivée pour savoir s'il va avoir yani, l'équivalent yani, d'une vache ou d'une chamelle ou d'une vache ou d'un mouton ou d'une poule ou d'un œuf. Ça aussi, c'est une prédestination. Mais cette prédestination, elle est hebdomadaire. Ça s'écrit seulement une fois par semaine. Certains savants ont ajouté cela aussi dans les sortes de prédestination. مراتب القدر أربع. الأولى العلم. الثانية الكتابة. الثالثة المشيئة. الخلق. Donc c'est un résumé pour savoir que les degrés sont de quatre. Maintenant, nous sommes Kamel. Kamel, nous sommes où exactement ? Dans quel degré nous sommes ? Nous sommes dans le Kitaba, dans l'écriture. On a terminé l'écriture, on va commencer maintenant quoi ? Al-Mashi'a, la volonté. Ahsant. Al-Thalitha, Al-Mashi'a. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala qad sha'a kullama fi s-samawati wal-ard. Wa la yakunu shay'un illa bi mashi'atih. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سورة ياسين الآية 82 وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا سورة البقرة الآية 53 وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى سورة الأنعام الآية 35 وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة سورة هود الآية 18 وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني سورة السجدة الآية 13 وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سورة فاطر الآية 44 جزاك الله خير. Donc, نعم, il y a 4 degrés. نعم, 4 degrés de la prédestination. نعم, d'abord la science, ensuite l'écriture. Maintenant, on va passer au troisième degré, qui est la volonté. نعم, Allah sait tout. Ensuite, il a écrit tout. Il a demandé à la plume d'écrire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la volonté. Il faut qu'il veuille. Qu'il veuille. Naam. Et ça vient après le quatrième degré. Naam. La création. Naam. Il faut qu'il veuille d'abord, ensuite il crée. Car s'il ne veut pas, il ne crée pas. Ça reste seulement dans la tablette préservée. C'est pour ça, dans quatre degrés. Allah sait tout. Naam. Ensuite, écrit tout. Ensuite, il veut, ensuite, il crée. Nous sommes au troisième degré, la volonté.
les degrés du destin sont de 4. La science, deuxièmement l'écriture, troisièmement la volonté et quatrièmement la création. Bazoul sait tout, il décrit ce qu'il sait, hein? Ensuite il veut, car s'il ne veut pas, il ne crée pas. Ensuite il crée, puis il dit l'Ahi Azzawajal. Le troisième degré, la volonté. Nous croyons qu'Allah Ta'ala a voulu tout ce qui est dans les cieux et la terre. Rien n'existe sans sa volonté. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Yassine, verset 82. Allah Azza wa Jalla maintenant, hein, s'il veut, quand il veut une chose, il dit seulement soit et la chose yani, et elle advient, elle existe. Non. Et personne ne peut entraver sa volonté. Ce n'est pas possible. Pas possible qu'il veuille une chose et que des gens ou la je ne sais qui peuvent yani, entraver sa volonté pour qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas possible. S'il veut une chose, il lui dit seulement soit et elle advient. On va lire certains versets qui montrent que yani, sa volonté n'a pas d'entrave. Et il a dit, Ta'ala, selon une traduction du sens, si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Al-Baqarah, verset 253. Donc même quand des gens s'entretuent, hein, ou la guerre, hein, ou bien entre Ali, par exemple, et les Khawarij, qui se sont entretués, ou bien deux croyants s'entretuent, ou là, si Allah Azzawajal avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc, ça rentre dans le décret de l'Azawajal, ça rentre dans la prédestination. C'est écrit que ces deux personnes, par exemple, vont s'entretuer. Mais quand on dit c'est écrit, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala aime qu'ils s'entretuent. Non, mais c'est tout juste que ça rentre dans ce qui est universel, ce qui est volonté universelle. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Al-An'am, verset 35. Et si Allah Ta'ala voulait, il pourrait yani, guider, faire descendre la guider yani, dans tous les cœurs de toutes les personnes. Alors, tous seraient sur le droit chemin. S'il voulait. Donc, s'il y en a qui ne sont pas encore sur le droit chemin, c'est que Allah n'a pas encore voulu. Et s'il n'a pas voulu, pourquoi? Parce qu'il est injuste envers eux. Non, mais parce qu'eux, yani, n'ont pas encore voulu, eux aussi. Aussi, ils n'ont pas voulu cette chose. Car s'ils l'avaient voulu, s'ils avaient voulu, par exemple, la guider, ils auraient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Comme dans le hadith authentique. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadait. Oh, mes serviteurs, vous êtes tous dans la déviance, sauf celui que je guide. Ensuite, il a dit, istahdouni ahdikum. Demandez-moi la guide et je vous guide. Donc toi, si tu ne veux pas lui demander, hein, donc tu vas rester comme ça. Hein. Mais si tu fais des pas, ou là, juste un pas, vers Allah Azzawajal, en lui demandant, Ya Allah, aidez-moi, guidez-moi, Allah Azzawajal, il approuve cela. Allah Azzawajal approuve cela et bien sûr, va guider la personne. Car comme dans le hadith, il a dit, si la personne fait un empan envers moi, yani shibr, moi je fais un dira, c'est comme en arabe, une coudée. Il dit, s'il vient en marchant vers moi, je vais vers lui en, il a dit, herwala, en, c'est-à-dire en allant vite vers lui. Et voilà, lui il vient en marchant, moi je vais yani, en accélérant, en allant vite vers lui. Subhanallah, non. Donc aucune personne qui n'a pas été guidée n'a d'excuse. Et on crie à moi de dire à Allah, c'est vous qui ne m'avez pas guidé. Non, toi, tu n'as rien fait pour être guidé. Il y a des causes. Tu n'as pas fait les causes. Non. Ou peut-être à la place d'accélérer, je me hâte vers lui. Hâte, c'est ça. C'est ça le vrai terme. On enlève accélérer, ça, c'est un peu mécanique. Hein? C'est une moto. Allez. Et il a dit, selon une traduction du sens, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Houd, verset 118. Regardez comment nous sommes dispersés, par exemple. S'il avait voulu,
hein, ils auraient fait de nous une seule communauté. On serait tous dans la droiture, etc. Mais pour des hikam, des sagesses qu'on ne connaît pas, Allah a voulu qu'on soit comme ça. Et il a dit, Ta'ala, selon une traduction du sens, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. Es-Sajda, verset 13. Il y a un enfer, il y a un paradis. Si tout le monde va être guidé, qui ira en enfer? Qui ira? Alors pourquoi l'enfer a été créé? Donc, Allah Ta'ala a créé le paradis, a créé l'enfer. Et pour chacun des deux, il a créé aussi des gens qui vont y entrer, soit en enfer, soit au paradis. Mais d'après quoi? D'après des grandes sagesses. Ce n'est pas comme ça par hasard, ou ce n'est pas par injustice. Celui-là, toute sa vie, il ne faisait que du bien. Il ne faisait qu'adorer son Seigneur, il va se trouver en enfer éternel. Il n'y a pas cela chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la science parfaite et la grande sagesse. Ou alors le contraire. Une personne toute sa vie, à ne faire que du mal, à voler, tuer, la drogue, la zina, et à la fin, il va se trouver au paradis. Je parle de ceux qui ne font pas tawbah, bien sûr, et meurent sur le kofr ou l'ayadu billah. Et il a dit, Ta'ala, selon une traduction du sens, et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Comme j'ai dit tout à l'heure, Allah, quand il veut une chose, rien ne peut l'entraver. Si tous les gens qui existent sur terre maintenant vont s'unir avec la grande technologie pour essayer d'entraver ce que Allah Ta'ala veut faire, c'est impossible. C'est impossible. Al-Rabi'a, martabatul khalq, fahuwa ta'ala khaliqu kulli amilin wa amalih, wa kulli mutaharrikin wa harakatih, wa kulli sakinin wa sukunih. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون سورة الصافات الآية 96 وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سورة الزمر الآية 62 Le quatrième, on passe au quatrième degré بإذن الله. Le quatrième degré, la création. Allah Ta'ala est le créateur de tout acte et de son auteur, de tout mouvement et de celui qui l'a fait, de tout immobile et de son immobilité. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez, As-Saffat, verset 96. Non. Donc, on a vu que les degrés étaient quatre. Le premier, la science. Le deuxième, l'écriture. Le troisième, la volonté. Allah veut. Le quatrième, la création. Il crée. Donc, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il crée? Il est le créateur de tout acte et de son auteur. Allah crée la personne, par exemple, et crée aussi ce qu'elle fait. Tout ce qu'on fait, c'est la création de Allah, puisque nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés. Donc, ce qu'on fait, c'est lui qui l'a créé. Mais c'est nous qui allons demander, on va être questionné sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que Allah Ta'ala te crée. Par exemple, il te donne le cerveau, il te donne la main, il te donne l'âme. Ensuite, la chose que tu vas faire, par exemple, la personne va voler. Le vol, l'âme, ce vol, l'âme a été créé. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Rien dans ce monde ne peut avoir lieu si Allah Ta'ala ne le crée pas. Mais le vol, c'est toi qui l'as commis, car Allah Ta'ala l'a interdit. Il t'a dit de ne pas voler. Non. Même si le vol, c'est sa création, car aucune chose ne peut avoir lieu si ce n'est pas Allah qui l'a créé, mais c'est toi qui as commis le vol. Donc la création, on l'a filée à Allah, et l'acte, on l'a filée à qui? À la personne. C'est lui qui a fait l'acte, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a prié, c'est lui qui a bu l'alcool, c'est lui qui a fait le dhikr. C'est la personne qui fait ça. Mais ce qu'elle fait a été d'abord créé par Allah subhanahu wa ta'ala, sinon elle ne peut pas le faire.
Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Az-Zumar, verset 62. Voilà, Allah Ta'ala est créateur de toutes choses. De toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit le créateur de tout acte est son auteur. Et il a dit aussi, Allah Ta'ala, c'est lui qui vous a créé et a créé aussi ce que vous fabriquez, ce que vous faites, ce qu'on fait. Naam. أفعال العباد ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون. أحسنت. Les actes des serviteurs. Nous croyons aussi que les serviteurs disposent d'une capacité à accomplir leurs œuvres, qu'ils ont une volonté propre et qu'Allah Ta'ala est leur créateur. Le créateur de leur volonté, de leur capacité, de leurs paroles et leurs œuvres. Les paroles et actes qui émanent d'eux leur sont attribués au sens véritable. Et c'est selon eux qu'ils sont récompensés ou châtiés. Donc comme ça que doit comprendre le vrai croyant, le Salafi al-Sunnah al-Jama'ah, que les serviteurs disposent d'une capacité à accomplir leurs œuvres. Ensuite, c'est toi qui, si tu veux, tu accomplis. Si tu ne veux pas, tu n'accomplis pas. Si tu veux, tu vas à la mosquée. Et si tu veux, tu vas au bar. Ça revient à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'ils ont une volonté propre. Voilà. Et qu'Allah Azza wa Jal et le créateur, c'est Allah qui nous a créés. Et c'est lui le créateur de notre volonté. Naam. Toi, quand tu veux aller au bar ou là tu veux aller à la mosquée, naam, tu ne peux pas, si Allah ne crée pas en toi cette volonté. Naam. Mais Allah, attendez, je termine. Aussi leur capacité, même nos paroles et nos œuvres. Tout cela, comme je disais tout à l'heure, toutes ces choses sont créées par Allah Azza wa Jal. Rien dans ce monde ne peut avoir lieu si Allah Ta'ala ne crée pas cette chose. C'est pour ça qu'il dit les paroles et actes qui émanent d'eux leur sont attribués. Mais attention, les actes qu'on fait, les paroles qu'on dit, naam, émanent de nous et sont attribués à nous, pas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah les a créés, mais c'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons parlé et prononcé telle et telle parole. C'est pour ça, c'est selon eux qui sont récompensés ou châtiés. Naam. C'est pour cela que si tu dis une bonne parole, tu seras récompensé. Malgré que la parole, c'est Allah Ta'ala qui l'a créée. Toi, tu l'as prononcée. Naam. Mais Allah l'a créée. Et si c'est une bonne parole, tu seras récompensé, Inch'Allah Ta'ala. Et le contraire. Si tu dis une mauvaise chose, par exemple, tu seras châtié. Naam. Pourquoi? Parce que la mauvaise parole, c'est Allah qui l'a créée, mais c'est toi qui l'as prononcée. Naam. C'est pour ça que tu seras châtié. Bi'Allah Azza wa Jal. Naam. وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ إِلَّا عَلَى مَا أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. سورة الإنسان. Ils ne sont capables que ce dont Allah Ta'ala les a rendus capables. Et ils ne sauraient vouloir sans qu'Allah ne veuille. Aucune personne ne peut faire une chose que Allah Ta'ala yani, ne rend pas. Yani, la personne ne lui donne pas yani, la capacité de faire cette chose. Et il ne saurait vouloir sans que Allah ne veuille. Et jamais tu ne veux faire une chose, naam, si Allah Ta'ala ne veut pas. Et quand on dit il veut, ça ne veut pas dire qu'il aime. Attention, on fait bien la différence entre vouloir et aimer. Car Allah Ta'ala peut vouloir une chose qu'il n'aime pas. Comme il a créé par exemple Shaitan. Il a voulu créer Shaitan. Il ne l'aime pas. Et le contraire, Allah Ta'ala peut aimer une chose qu'il ne crée pas. Peut aimer une chose
Il aime, par exemple, que par exemple, le pharaon soit croyant. Il aime cela. Mais il n'a pas créé cela. Il n'a pas voulu cela. Non. Il n'a pas. Il a aimé cela, mais il n'a pas voulu. Non. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, ceci est un rappel, que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Al-Insan, versets 29 et 30. Non. Cependant, vous ne saurez vouloir non, à moins qu'Allah veuille. Jamais tu ne veux une chose et que cette chose aura lieu si Allah Ta'ala ne veut pas. On l'a dit, on l'a répété 1000 fois. Et Allah est omniscient et sage. Allah Ta'ala sait tout. Hein, et tout ce qu'il fait, le fait avec sagesse. Tout ce qu'il fait, le fait avec sagesse. وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et il a dit, Ta'ala, selon une traduction du sens, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Takwir, versets 27 à 29. Donc c'est un rappel pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Ya Allah, nous tous, nous voulons suivre le chemin droit. Alors il dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah Ta'ala veut. Lui, le Seigneur de l'univers. Même si toi, tu veux suivre le chemin droit, il faudrait d'abord que Allah aussi veuille. C'est une condition. Il faut que Allah veuille pour que tu suives toi le chemin droit. Naam. Car s'il ne veut pas, tu ne vas pas suivre le chemin droit. Naam. Et pourquoi Allah, par exemple, ne veut pas vouloir Naam, que je suive le chemin droit? Allah Azza wa Jalla veut. Naam. Si vraiment tu es sincère, et que tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'il ne voudrait pas? Non, il voudra. Il va te faciliter même. Faciliter comment? Yani l'adorer. Ça va venir dans les versets qui vont venir maintenant. Bidna Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Surat al-Baqarah, al-ayat al-sadisat wa al-thamanuna wa mi'atan. Et il a dit, Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Al-Baqarah, verset 286. Jamais Allah n'impose une charge supérieure à ce que peut prendre la personne. Non. Et ce dont la personne est capable. Jamais, jamais. Non. Et si elle fait du bien, elle sera récompensée. Si elle fait du mal, elle sera punie, hein, pour savoir que c'est nous qui faisons le bien et c'est nous qui faisons. Il faudrait que Allah Ta'ala yani, veuille que nous faisions le bien et veuille que nous faisions le mal, sinon on ne peut pas le faire. Sinon on peut pas le faire. Et veuille faire du mal, Allah Azza wa Jalla veuille qu'on fasse du mal dans le sens, c'est-à-dire que ce n'est pas aimé. Allah Ta'ala n'aime pas qu'on fasse le mal. Mais même si on veut faire le mal, on ne peut pas le faire si lui ne veut pas. Si lui ne veut pas, Azzawajal. Non. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون سورة الزخرف الآية الثانية والسبعون أي بسبب العمل. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Az-Zukhruf, verset 72. C'est-à-dire par la cause des œuvres. Le paradis que vous avez hérité, c'était à cause des sababs de ce que vous œuvriez. Vous faisiez des œuvres, naam, qui sont aujourd'hui des sababs, des causes pour entrer au paradis. Naam. C'est pas en contrepartie. C'est pas parce que j'ai fait ça, en contrepartie, il y a le paradis. C'est-à-dire que tu le mérites en contrepartie de ce que tu as fait. Non. Et ce que tu as fait, c'est juste des causes. Tu as fait des causes, hein, c'est-à-dire tu as œuvré et tu as fait des causes. Sinon, jamais, jamais nos œuvres ne peuvent nous faire rentrer au paradis. Ce n'est pas la rahma d'Allah et sa grande miséricorde. وقال تعالى
وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون سورة السجدة الآية الرابعة عشر. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Sajda, verset 14. Donc c'est la même chose. Le paradis, l'âme, on l'a hérité avec des causes qu'on faisait, c'est-à-dire des œuvres. La même chose pour celui qui va se trouver en enfer. Goûtez au châtiment éternel des kofaro et adoubillah pour ce que vous faisiez aussi. Ces mauvaises œuvres, elles aussi, sont des causes pour se trouver dans un châtiment éternel. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزلزلة. Et il a dit تعالى, selon une traduction du sens, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Zelzala, versets 7 et 8. Donc, il ne faut jamais dire ce bien que je veux faire est minime. Parce que même s'il est du poids d'un atome, on le trouvera Yom Kiyama devant nous. Naam. Et la même chose pour le mal. Il ne faut pas dire ce mal, ce n'est rien, c'est minime. Je n'ai pas fait un grand mal. Car ce petit mal qui est pour toi un petit, il viendra aussi Yom Kiyama et tu le verras. Tu le verras devant toi. القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمقادير لها أسباب توصل إليها فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. La prédestination antérieure n'empêche pas d'œuvrer et n'implique pas de se reposer dessus. Nous croyons que la prédestination antérieure n'empêche pas d'œuvrer, comme elle n'implique pas de se reposer sur elle. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il informe à ses compagnons que les parts et leurs cours étaient prédestinés et que la plume qui les a inscrits avait séché, on lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, ne devrions-nous pas nous reposer sur notre destin et délaisser les œuvres? Il répondit alayhi sallatu wa sallam, non, œuvrez, on facilitera à chacun. Puis il récita, c'est une traduction du sens, celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Al-Layl, versets 5 à 10. Donc nous croyons que la prédestination, ce qui est écrit sur la tablette préservée, n'empêche pas d'œuvrer, comme elle n'implique pas de se reposer sur elle. C'est pourquoi le prophète, lorsqu'on l'informa que les parts et les cours des sahaba étaient prédestinés et que la plume qui les avait inscrits ou l'a inscrit avait séché, on lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, devrions-nous pas nous reposer sur notre destin et délaisser les œuvres, puisque tout est écrit. Et Rasulallah, puisque tout est écrit. Pourquoi on va œuvrer? Là, si c'est écrit, je vais aller au paradis. Ça ne va pas s'effacer, je vais aller au paradis. Ici, c'est écrit que je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Ça ne va pas s'effacer, je vais aller au paradis. Donc, pourquoi œuvrer? Il a dit non, œuvrer. On facilitera chacun. Puis il récita les versets qui suivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est écrit que telle personne, par exemple, va aller au paradis, c'est écrit qu'elle va aller au paradis parce qu'elle va faire telle et telle et telle et telle et telle bonne œuvre.
Et la récompense est écrite avec ses causes. C'est pour ça que si tu vas déliser les causes, il n'y aura pas la récompense qui est le paradis. Le paradis, le fait que tu rentres au paradis, c'est écrit que tu vas y rentrer, mais parce que tu vas faire telle et telle chose, telle et bonne chose. Si tu ne vas pas faire maintenant telle et telle chose, il n'y aura pas de paradis. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui donne et craint et déclare la plus belle récompense, c'est Allah, celui-là, nous allons lui faciliter la voie au plus grand bonheur qui est le paradis. Mais remarquez avec moi, il donne et craint, il fait des choses, il œuvre l'âme. Quant à celui qui est avare, fait les mauvaises choses et n'adore pas Allah Azza wa Jal, en plus de cela, traite de mensonge la plus belle récompense qui est là. Alors celui-là, bien au contraire, nous allons lui faciliter la voie à Jahannam ul'iyadu billah. Donc, subhanallah, celui qui veut le paradis et va œuvrer, alhamdoulilah, pour le paradis et faire les bonnes œuvres, Allah Ta'ala va lui faciliter le chemin qui mène au paradis. Et celui qui fait le contraire, il ne croit pas, il mécroit. Et il traite de mensonge la ilaha illallah. Et il est avare, il ne fait que les mauvaises choses. Même celui-là, Allah Azza wa Jalla va lui faciliter comment aller en enfer. Ul'iyadu billah. Ul'iyadu billah. Naam. Les parts dans cette vie ont des causes qui mènent à elles. De la même manière que le mariage est la cause pour avoir un enfant et que semer des graines est la cause pour faire pousser des plantes, l'œuvre vertueuse est la cause pour entrer au paradis et la mauvaise œuvre est la cause pour entrer en enfer, au feu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que même yani, le paradis a besoin de causes, de asbab. Naam. C'est pas yani, avoir une bonne intention, ça fait rentrer au paradis. Mais il faut œuvrer. Donc les œuvres sont une grande cause pour entrer au paradis. Bi'inna azalikum. Pour avoir yani, un enfant, ce n'est pas la bonne intention qui va te donner un enfant, mais le mariage. Et même le mariage, il faut aussi la cause de s'approcher, par exemple. La même chose, Naam, que pour faire pousser des plantes, Naam, ou bien du blé. Ce n'est pas avec l'intention et la doua seulement. Mais il faut semer les graines. Ensuite, bien sûr, arroser et faire des doigts. Donc, ce qu'on fait a une grande importance, soit pour aller au paradis, soit pour aller en enfer. Non. Je pense que c'est terminé. Je pense, inshallah ta'ala, que le prochain cours, je vais chercher une risala si je la trouve. Il y a une risala, de Cheikh Ibn Uthaymeen qui parle du Qada ou Qadr. Et ça explique aussi beaucoup de choses très importantes. Si je la trouve, Inch'Allah Ta'ala, je vais la. On va étudier ensemble car ça va fortifier, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui et ça va l'expliquer davantage. Sinon, si je ne la trouve pas, Ma'alish, Inch'Allah Ta'ala, on fera un autre cours, Bi'illah Subhanahu wa Zawajan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله تعالى سي كون لو بروشين كور باذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم شيخ بلال قول بارك الله فيك شيخ جي اونتوندي بلال بلال حاب يهضر معاكم قول له بارك الله فيك ما فيك شيخ بارك الله فيك ترجمه مليحه شكرا ترجمه مليحه جزاك الله خير tu parles comme ton frère qui comme un robot. بارك الله فيكم شيخ. شكرا لله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. أحسن الله ليكم. شكرا وليدي. جزاك الله خير. السلام عليكم.